aucun doute. Michael Ketchum Hallyday, cousin et frère de cœur de Johnny Hallyday, a confié à RTL ce 12 mars son sentiment sur la polémique de l'héritage, qui déchire Laetitia, David et Laura Smet. Michael Ketchum Hallyday est le cousin de Johnny, et son frère de cœur. Il prend la parole pour la première fois depuis le début du scandale de l'héritage, et a confié à RTL sa vision de la crise qui secoue le clan Hallyday. Johnny, je l'ai toujours considéré comme mon grand frère, il s'est toujours conduit avec moi, comme si j'étais son petit frère, rappelle-t-il. Et je suis absolument désolé que ça en arrive là, désolé de voir que des gens qui étaient des proches hier se malmènent, se taclent. Je suis désolé pour Laetitia qu'elle ait à souffrir du choix de son mari. Désolé pour les petites Jade et Joy, à ses yeux, aucun doute, Johnny n'a pas été manipulé. Moi je ne veux pas trop me prononcer sur l'héritage, ça ne me concerne pas, ça concerne David, Laura, Johnny, Laetitia. La seule chose que je peux dire c'est que Johnny ça pouvait être quelqu'un de rude, pas quelqu'un qu'on manipulait, explique-t-il. Ça ne lui aurait pas plu du tout que qui que ce soit aille à l'encontre de son avis, et je pense que son choix il l'a fait totalement librement. Pour Michael Ketchum Hallyday, les aînés de Johnny doivent se faire une raison. Je sais que c'est très dur pour Laura et David, mais je pense que même s'il avait été vivant aujourd'hui, il ne serait pas revenu dessus. C'est ce qu'il voulait, assure-t-il. J'ai mal de voir ma famille se déchirer et je souffre comme beaucoup de gens qui aiment Johnny depuis des années souffrent. Je parle avec beaucoup de fans, beaucoup de gens qui ont adoré Johnny, ils ne comprennent pas non plus, tout ce que j'espère c'est que tout se règle dans le calme, l'harmonie et l'amour, conclut-il, à quelques jours seulement du premier procès qui doit opposer Laetitia Hallyday à David et Laura Smet. Crédit photo.